Yo les potes Sensu, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir les nouvelles cartes Pokémon de McDo. Donc je vais vous présenter comment ça se présente. Ça va rien dire ce que je viens de dire. Là non plus. Bon, bref, j'en ai 10 à ouvrir. Donc c'est parti. D'abord je vais vous expliquer comment les avoir et à quel prix. Donc il faut savoir que c'est à McDo. Donc au drive, parce qu'il n'y a plus de McDo physique vu qu'il y a le Corona. Donc vous allez au drive. Et puis, c'est 2 euros si vous voulez juste le jouet. Et puis, c'est 4 euros avec le menu Happy Meal. Du coup, voilà comment ça se présente. C'est une petite pochette. Voilà. Vous ouvrez comme ça. Hop. Vous ouvrez. Vous avez le booster qui est en carton. Parce que tout simplement, McDo, ils sont avec l'écologie. Donc, en carton. Et vous avez des petits jouets là. Ça, je crois que c'est une boîte. Il faut l'assembler. J'ai la flemme. Et un petit labyrinthe. Hop. Et après, vous le refermez comme ça. Hop, attendez. Comme ça, voilà. Je vais les ouvrir vite fait. Hop, on va tous les récupérer. Je vais peut-être en garder un fermé, je sais pas. Déjà, en attendant, on va en ouvrir la moitié. Donc, attendez, 5. Hop, on va en ouvrir 5 en attendant. Et les 5 autres, je vais les ouvrir juste après là. Mais juste avant, on va voir... ce qu'il y a à l'intérieur, parce que imaginons qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans la série si je les ouvre tous. Enfin, vous avez compris. Du coup, c'est parti. Hop. Du coup, c'est parti. On commence avec un petit Tiplouf holographique avec 20-50 Pokémon. La série qui est en bas à gauche, le M de McDo, mais un peu moche. Donc, il y a 25 cartes dans la série. Whistempo, Carapuce et Brindibou. Donc, c'est tous les starters normalement, avec marqué 20-50 Pokémon à droite. Et il y a une carte holographique à chaque fois. Ok, on va ouvrir les autres. Ok, faut vraiment qu'on ait des cartes holographiques différentes. Donc là, on a Moustillon. Ok, je vais regarder si on les a pas à chaque fois. Attendez. En attendant, aucune double, ok. Hop, on continue. Ok, Caïminus. Bulbizarre, Hérissandre et Tortipousse. Ok, je vais vous les présenter après les cartes. On va juste se dépêcher vite fait d'ouvrir les 5 boosters. Eh, mais j'ai que les Pokémon O en holographique. Bulbizarre, je l'ai déjà. Tortipousse, je l'ai déjà. Marisson, je crois, je l'ai déjà. Et le dernier, enfin, la moitié plutôt. Oh, Salamèche. Celle-là, je pense qu'elle va valoir cher. Et je me demande s'il y a un Pikachu. Ok. On va regarder les cartes juste après. Vas-y, en vrai, je les ouvre toutes, les gars, on s'en fout. Hop. Hop. C'est le bordel, vous imaginez même pas. Avec leur carton là. Hop. Et la dernière. Ah, j'hésite à en laisser une fermée. Vous savez quoi, je vais en laisser une fermée, scellée. Ça vaudra peut-être plus cher dans le futur. Hop. De toute façon, si jamais je peux en racheter d'autres, j'en rachèterai d'autres. Mais comme ça, au moins, on en a une de fermée. Ok. Je vais vous remontrer toutes les cartes après. Mais d'abord, on ouvre. Hérissandre, ok. On va voir s'il y a un Pikachu. Attends, on n'a pas eu Pikachu. Je sais pas s'il y en a un. Il y a moyen qu'il y en ait un, en vrai. Ok. Flambino. Et le dernier. Oh, Pikachu, yes. C'était celui que je voulais. Ok, on l'a pas eu en holographique. Bon, vous savez quoi, les gars, j'ouvre le dernier. On s'en fout. De toute façon, ça va pas devenir rare. Et même si ça devient rare, ça va pas coûter non plus ultra cher. Et Pikachu en plus. Ok. On va tout récapituler. Toutes les cartes. On en a franchement pas mal. Alors, c'est parti. On a déjà Fennec en holographique. Donc, ça brille même en bas. Même si on le voit pas trop, vous voyez là. Ensuite, on a Pikachu, Gruikuit, Moustillon. En holographique, on a Germignon. Hop. Attendez, je vais les trier, vous savez quoi? Hop. Donc, comme vous avez remarqué, c'est tous les starters. Et Pikachu. Et donc, il y a tous les starters en carte. C'est assez joli. Hop. Hop là. Alors, du coup, on a Whistempo, Carapuce, Brindibou, Arco, Marisson, Moustillon, Bulbizarre, Hérissandre,
Tipus, Bulbizarre, Marisson, Tortipus, Arco, Hérisson, Flamiaou, Tiplouf, Otaquin, Gobou, Grenousse, Otaquin, Brindibou, Tiplouf, Fennec, Flambino, Pikachu, Gruikui, Flambino, Pikachu, Gruikui et Moustillon. Il y a plein de Pokémon qu'on n'a pas, mais bon, je vais en acheter sûrement d'autres. Et concernant les cartes qui brillent, où il va falloir avoir les 25 en brillante, ce qui va être assez compliqué. On a Tiplouf, Moustillon, Caiminus, Grenousse, Salamèche, qui va devenir peut-être très rare, je ne sais pas. Parce que c'est Dracaufeu, vous connaissez. Marisson, Hérissandre, Flambino, Germignon et Fennec. Donc je crois que j'ai aucune double dans ceux-là. Je vais vérifier. Ouais, aucune double, donc ça c'est déjà pas mal. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous remontrer un petit peu tout en détail. Le booster, voilà, 4 cartes supplémentaires. Voilà, c'est du carton, enfin du papier même. Hop. Et les boîtes, comment elles sont. Elles sont très jolies. Avec ça, vous savez qu'on va le faire vite fait. Ouais, non, j'ai grave la flemme. Grave la flemme. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur et à nous suivre dans la boutique Fortnite. Ciao.